l'origine du mot graffiti. L'origine latine, graphium qui désigne un stylet pour écrire dans la cire. L'origine grecque, du verbe graphon qui veut dire écrire ou dessiner. Le graffiti arrive à New York lorsqu'en 1968, les transports ferroviaires s'intensifient entre Philadelphie et New York. La toile, pour le graffiti, c'est les wagons de train ou de métro. Les wagons deviennent des messagers parlant de la rivalité des deux villes. L'architecture des villes se modifie alors. Le béton et les murs servent à leur tour de toile. Au même moment, la commercialisation des bombes de peinture explose. Socialement, les changements sont très forts. Les banlieues apparaissent, la publicité devient de plus en plus envahissante et agressive. Les règles de base d'un bon graffiti. Un style qui doit être unique et captivant. Les copistes ne sont pas tolérés, voire chassés, ce qui permet aujourd'hui, 40 ans après, de voir des artistes qui veulent encore innover. L'autre impératif, c'est l'emplacement. Le mur, sa matière, l'endroit précis où le graffiti donnera du sens à l'ensemble, c'est vraiment un art contextuel qui s'apprécie aussi et surtout au sein d'un environnement. En Europe, l'arrivée du graffiti était 1983. Entre 1983 et 1985, les étudiants font des voyages à New York. Ils découvrent le cinéma américain, les hamburgers, le hip-hop et dans la rue, prennent de plein fouet le graffiti. Touchés par le côté spontané de cette expression nouvelle, les étudiants ramènent ces souvenirs chez eux, puis commencent à les reproduire. La fièvre du graffiti se propage dans Paris. En 1990, il apparaît beaucoup plus tard à Marseille dans les quartiers de la Plaine et de Noailles. L'objectif du graffiti permet avant tout de toucher des personnes qui ne pourraient pas entrer dans un musée ou dans une galerie d'art. Mais le principal, c'est aussi de parler d'un sujet politique ou social, de le contester, de le soutenir, de le revendiquer, mais surtout d'interroger et d'interpeller. La différence entre le graffiti et le tag. Le graffiti est une forme d'art, alors que le tag est considéré comme une signature. Toutefois, s'ils sont réalisés sans autorisation, ils ont la même punition. 1 500 € d'amende ou même plus selon les dégâts causés. L'évolution du graffiti. L'art du graffiti a bien évolué. Au début, il était seulement produit dans la rue et considéré comme du vandalisme. Alors que maintenant, le graffiti est aussi exposé dans des galeries, s'éloignant de son objectif premier. Mais il est enfin reconnu comme une forme d'art. Storyboard là de cette fois-ci d'un film qui va être tourné, donc tu as fait les dessins avant, et avant de faire les dessins, qu'est-ce que vous avez fait avec Maya, puisque c'est le thème des graffitis et des tags dans le quartier de la Plaine, qu'est-ce que vous avez fait? Tout d'abord on a pris des photos et là j'ai reproduit les photos en storyboard pour faire le film. Alors Ornella, c'est bon, tu as fini, on pourra aller filmer. Oui, c'était bon.
ce reportage, nous avons la chance d'être au Déclé pour une exposition qui démarre aujourd'hui le 16 décembre et qui se tiendra jusqu'au 16 janvier et qui s'appelle UNESCO. Icône, c'est votre nom. Exactement. Comment vous avez trouvé ce pseudonyme? C'est lié à la photo aussi, une icône, une image iconique. Pourquoi avoir justement eu envie de vous exprimer de cette façon-là? Parce que c'est vrai que c'était moyen un petit peu de lutter contre la société dans laquelle on veut nous faire vivre et en même temps de ouais, aussi de mettre sa petite marque dans la ville et de se sentir bien dans où on vit, quoi. On met puis le monde des lettres, de la calligraphie et des lettrages qu'on voit partout aussi depuis qu'on est né. Et puis voilà, ouais, s'approprier un peu les murs, la ville et puis se sentir mieux chez soi, quoi. Voilà, après, les contestations, elles sont forcément là parce que on a chacun un point de vue sur la société, sur comment ça se passe. Et voilà, on est d'accord ou pas d'accord, mais chacun dit ce qu'il a envie. Et on s'exprime en liberté. C'est vrai qu'au début, vous avez dû avoir des détracteurs. Il y en a toujours. Ouais, après, c'est le respect qu'on donne aux autres et ou pas, qui fait qu'on a des détracteurs ou pas. En général. Il n'y a pas de raison d'en avoir. Parce que maintenant, justement, voilà, vous faites des expositions, vous montrez que le graphe peut être à la portée de tout le monde. C'est la culture, justement, c'est l'art de la rue. Exactement, ouais, c'est l'art de la rue par des photos pour figer des instants et des moments qu'on vit et qu'on oublie. Et que, faut... Est-ce que c'est aventureux de faire ça? Ouais. Oui. Ouais, y a plein de risques, hein, plein de dangers, que ce soit où est-ce qu'on va, si c'est dans des sous-sols, si c'est électrifié, si c'est le métro, si c'est des tunnels, si c'est un toit, de tomber. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et faire attention à tout quand on fait ça, quoi. Parce que, ouais, ça, c'est une pratique qui peut être dangereuse, mais sinon, voilà, faut faire attention à ce qu'on fait, ouais. Selon les endroits, on peut se dire que les graffeurs sont presque des alpinistes. Parce qu'ils ouais. s'arnachent. J'ai même vu une photo dans cette exposition. Ouais, c'est un équipement de cordistes. Pour certains. Est-ce qu'il faut être préparé à ça? Ah ouais, il faut être préparé. Ouais. C'est pas. On n'improvise pas? Non, on n'improvise pas. Il y a des fois, c'est totalement l'improvisation et c'est ça. Enfin, il y a plein de manières de. Ça, c'est sur un toit ou à la corde, c'est une manière, mais ouais, ça s'improvise pas trop. Il faut être équipé et tout ça, mais après, dans la rue et partout, c'est le burlesque, c'est loufoque et c'est de l'improvisation, justement, à tout moment. En fait.